Pour coller, on colle ça au sein pour coller. Ça fait un peu soulever les seins un peu et puis ça va être sexy quand tu portes le robe pour le mariage. Et j'ai fait une vidéo. J'appelle les habitants de Lomé. Excusez-moi, je parlais souvent de Abidjan. Oui, Abidjan aussi. Abidjan est la deuxième, troisième, entre deuxième et troisième ville qui regarde souvent mes vidéos. C'est Lomé, mes amis. Lomé, vous êtes forts. Mes amis, vous êtes forts. Pour le pays, c'est l'Eto qui a été fondé à Los Angeles. Hein, à Los Angeles. Ça a commencé là-bas. Et ça a commencé... Ça commence à être rabissé. J'ai pissé, j'ai pète. Wow, ça c'est joli. Mais ça c'est 23 dollars. Salut les amis, je suis venu visiter Forever 21. Forever 21, Forever 21. Oh, des belles voitures. Oh mon Dieu, mon roi, imaginez, tu viens avec cette voiture ici. Tu viens acheter tes habits ici à Forever. Les petits blancs ici. Forever 21, Forever 21. Je ne sais pas si Forever, c'est en Afrique aussi. Hein? En Europe, oh, de belles voitures. Laisse-moi entrer. C'est la musique qui joue un peu ici. Forever, on va voir le prix des habits ici, mes amis. Une partie de l'histoire ici, à propos de Forever. On va un peu... Oh mon Dieu, Moura, c'est joli, hein? Les femmes qui aiment les bikinis. Tu vois, les bikinis. Combien ça coûte? Ça coûte 15 dollars. Mes amis, Forever 21... C'est pour les Américains. Hein. C'est une boutique d'habillement des Américains. C'était fondé à Los Angeles. Hein, à Los Angeles. Ça a commencé là-bas. Et ça a commencé dans un petit boutique. Tu vois, il faut créer. Hein. C'était un petit boutique là à Los Angeles. Ça mesurait plus ou moins ce que les Américains disent ici. 900 square feet. Plus ou moins 84 mètres carrés. Et puis, c'était à Highland Park, à Los Angeles, à 1984. Et ça a pris de l'ampleur, non? Tu vois, comme le blond dit, c'est plus ou moins plus de 60 ans. 1984 jusqu'à maintenant, c'est combien des années? Maintenant, c'est partout aux États-Unis, Forever 21. Donc, ici, nous sommes à Texas, à Austin. Il y a cette maison d'habillement ici, cette boutique d'habillement. Donc, c'est un peu ça. Donc, en 2000, je lisais un peu ici, c'était en quelle année même? Parce que je lisais un peu leur histoire pour savoir, tu vois, nous, on veut aussi un jour devenir aussi des businessmen, tu vois. C'était en 2000, si je ne me trompe pas, c'était en 2011. Ils ont facturé plus de 124 millions de dollars. Donc, c'est pour toute leur maison, quoi. Vous voyez les prix, non? Et en 2011, ils ont facturé 1,4 billion. Mes amis, en 2011, ils ont facturé 124 millions de dollars. Et en 2011, ils ont facturé 1,4 billion. Ils ont plus de, en 2018, ils avaient plus de 32 800 employés. 32 800 employés en 2018. Tu vois, ici, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment beaucoup d'employés comme c'est en Afrique. Il y a les gens de la sécurité. Non, non, non. Tu es là, tu ne vas pas voler, tu vas voir les choses. Il y a peu de travailleurs qui travaillent ici. Waouh, j'ai aimé le shop ici. Dis-moi un peu, si tu habites ici aux États-Unis, est-ce que tu as déjà vu Forever 21 là où tu habites? Dis-nous un peu. Waouh, ça c'est pour les femmes. Hein? Tu vois les femmes qui portent les robes là sexy là, tu dis, oh, comment la dame ici, robe sexy comme ça, c'est 13 dollars. C'est pour coller, on colle ça au sein pour coller. Ça fait un peu soulever les seins un peu et puis ça va être sexy quand tu portes
les robes pour le mariage. Et j'ai fait une vidéo, je montre les robes de fête que tu peux acheter là où tu peux l'acheter. Mais ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui. Et il y a des gens qui me demandent, mais LKB, tu avais dit les 30 juin, les gens qui vont gagner, nous, on avait liké tes vidéos. Mes amis, je suis vraiment désolé. Est-ce que tu vois le prix? Waouh, j'ai aimé, hein? J'ai aimé. Waouh. Regardez un peu ça. C'est joli, mes amis. Imaginez un jour, tu viens aux États-Unis. Tu travailles, tu gagnes 20$ par heure. Et chaque fin de la semaine, est-ce que tu vas manquer 10$ ou 12$ pour venir acheter des belles bikinis comme ça? Ou bon bikini? On dit bikini ou bikini. Le bikini, le bon bikini, si je peux dire. Le professeur, corrigez un peu. Non, c'est joli. Donc, je disais, je suis un peu désolé parce que c'était prévu le 30 juin que je cite le nom de la personne qui va gagner le téléphone ou deux ou trois personnes. Malheureusement, on n'a pas battu le record. C'était le record d'avoir 5000 abonnés. Mes amis, je regardais sur ma chaîne. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Vous êtes méchants. Toi, si je parle à toi, oui. Tu es méchante, hein, maman, tantine. Tu es méchante. Tu regardes ma vidéo chaque jour, mais tu n'es pas abonné. Oh, non, moi, je regarde à partir de la télévision. Je ne sais pas manipuler. Mon ami, à partir de la télévision, tu peux manipuler. Si tu ne sais pas manipuler la télévision pour... parce que vos télévisions, il y a aussi les quoi, les quoi. Vous mettez aussi les comptes Gmail. Tu peux aussi liker à travers la télévision. Je ne peux pas faire les vidéos sur ça, vous montrer comment tu peux liker. Mes amis, vous n'êtes pas abonné de belles choses comme ça. Et on me dit 600%, hein, mes amis, pour voir. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de mettre ça ici. 600% des gens qui regardent mes vidéos depuis que j'ai commencé. 70%, vous, les 70%, vous n'êtes pas abonné. Vous likez pas, vous partagez pas. 70%, c'est 70% même quelque chose. Il y a que 29% des personnes qui like chaque jour, chaque jour. Maintenant, dis-moi, qui va gagner? Toi qui regardes beaucoup, qui ne like pas, qui ne partage pas, ou la personne qui regarde et partage à vous qui ne likez pas. Alors, c'était prévu 5000 abonnés. Je vais donner des téléphones au mail, au L'Oréal. Ah non, les Français, ça m'a fouillé. Les gens qui vont réussir, non, donc c'est un peu ça. Donc, c'est juste pour vous dire, il faut m'encourager. Donc, si je fais un peu, j'ai 3000 abonnés, plus ou moins, 30%. Donc, si tous les gens étaient abonnés sur ma chaîne, j'aurais combien? Les mathématiciens, dis-moi un peu, j'aurais combien d'abonnés si tous les gens étaient abonnés sur ma chaîne? J'aurai combien? Dis-moi un peu combien j'aurai. J'aurai 3000 divisé par 30. Oui, multiplié par. J'aurai plus ou moins 10 000 abonnés. Donc aujourd'hui même là, j'aurai plus ou moins 10 000 abonnés. Et ce qui me dérange, c'est que les gens qui restent beaucoup de temps. Si mes vidéos sont les gens qui ne sont pas abonnés, alors je n'ai pas réussi à faire les 5000 abonnés pour donner le téléphone. Plus ou moins, j'ai une idée. Je vais vous demander, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je connais déjà les gens qui me regardent. La ville qui me... Il y a une ville dans le monde entier. Il y a une seule ville qui m'ont beaucoup regardé. C'est en Afrique. Ce n'est pas Kinshasa, vous n'avez pas réussi. Donc ça, c'est joli, hein. Ça là, tu peux même acheter ça même 10 par jour même. Comment tu peux pas être beau ici ou belle? Tu vois, c'est presque gratuit vraiment. T'en fais pas, il faut déjà aller faire les démarches pour venir aux États-Unis, mon ami. Donc, j'avais fait une vidéo, je disais, je n'ai pas d'argent, mais je vais voyager partout aux États-Unis. Je vous ai montré comment faire pour venir aux États-Unis sans argent. sorti de l'Afrique sans argent. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a une vidéo sur ma chaîne. Si tu n'es pas inscrit, bon. Ah, ça aussi, c'est joli, vraiment.
porte de plus large, donc j'ai aimé. Hein. Wow. Donc je disais, il y a une ville qui me regarde beaucoup, c'est la ville de... C'est en Afrique, ce n'est pas au Congo. Congo non plus, la France n'est pas, c'est pas les États-Unis. Tu sais, c'est où? La ville qui me regarde souvent. C'est Lomé, mes amis. Comment on appelle les habitants de Lomé? Excusez-moi, je parlais souvent de Abidjan. Abidjan, oui, Abidjan aussi. Abidjan est la deuxième, troisième, entre deuxième et troisième ville qui regarde souvent mes vidéos. C'est Lomé, mes amis. Lomé, vous êtes forts. Mes amis, vous êtes forts. Pour le pays, c'est les Togo qui me regardent. Les premiers pays qui me regardent pendant tout ce temps ici. Donc, je ne dis pas seulement vous, mais les numéros 1, le pays qui me donne beaucoup de vues sur YouTube, c'est Togo. Togo, c'est Togo. Et la ville, c'est Lomé. La ville qui me regarde. Et après Lomé, c'est Abidjan. Ouh, Coco, Choco, tout Coco. Ah, j'ai aimé les chaînettes ici, mes amis. Faut s'abonner, s'il vous plaît. Faut s'abonner, faut pas être méchant. C'est pour ça que l'Afrique n'avance même pas. Pourquoi vous êtes trop méchant? Tu regardes la chaîne de quelqu'un, tu n'es pas abonné. Oh, mais prends ton téléphone, tout le monde a des téléphones. Quand tu regardes mes vidéos, ça dit que tu as aussi des téléphones. Il faut abonner. Ou tu t'abonnes pas, ou tu regardes pas. Faut s'abonner, mes amis. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que c'était le jour qui était prévu que je donne les téléphones pour mes abonnés. Donc, en fait, si tu es nouveau sur ma chaîne, quand tu es abonné, après quelques mois, je donne des téléphones. Alors, qu'est-ce que vous pensez, les amis? Je n'ai pas atteint... Bon, moi, j'ai décidé. C'est ceci. Ou les trois personnes qui ont gagné, à chacun 5 téléphones, 5 téléphones, 5 téléphones, mais eux, ils vont envoyer leur argent de transfert. Ils peuvent faire les transferts directement vers mon compte YouTube. Il y a une place là, on a mis le cœur. On a mis le signe des dollars dans le cœur. Tu peux appuyer là-bas et puis mettre ton carte Visa. Tu payes 100$. Et puis moi, quand tu vas payer, tu prends le print. Tu m'envoies ça sur Instagram ou message. Ou tu mets seulement un commentaire que je... Moi, je veux voir même que quelqu'un a envoyé l'argent même. Et puis, tu m'envoies un message parce que moi, je saurai déjà la personne qui a gagné. Et puis, je vais demander vos contacts. Et puis, vous m'envoyez le récit, non? Les sprints que tu as payé de l'argent. Et puis, moi, je vais envoyer les téléphones pour vous. 5 téléphones plus ou moins à chacun. Donc, ça sera plus ou moins 15 téléphones pour 3 personnes. Malheureusement, ce n'est pas une fille, c'est un garçon. Parce que la plupart des gens qui me regardent sont des garçons que des femmes. Les femmes aussi... Sauf que les femmes... je ne sais pas avec les femmes. Les femmes sont très compliquées. Parfois, elles regardent pas. Donc, c'est très compliqué. Même, je ne sais pas, les papas aussi. Il faut laisser aussi à vos femmes aussi regarder aussi la télévision. Vous, c'est mal les informations. Tu sais, moi, je ne regarde pas les informations, hein. Ça c'est joli vraiment. Waouh, c'est combien? C'est... Parfois je dis pas les prix parce qu'il y a déjà les prix. Tu sais, moi je regarde pas parfois les informations. Hein. Souvent je regarde pas les informations. Pourquoi je vais regarder les informations? Non, il y a guerre là-bas, il y a ceci. Et ça va arranger quoi dans ma vie, mes amis? Imagine si tu étais resté toute la journée guerre. Dans ta tête là, le moral là, ça va? Non, c'est pas normal. Moi je prends le temps de regarder les choses qui sont positives. On avait tué. Il y avait quelqu'un qui me disait, oh LKB, on avait tué quelqu'un là-bas. Et pourquoi tu n'as pas parlé? Je dis, est-ce que moi je suis RFI même? Ou je suis la voix de l'Amérique? Je ne suis pas RFI, monsieur. Non plus la voix de l'Amérique. Donc, c'est comment? Pour faire ça, donc, il faut que je parle là-bas, je prends les reporters. Non, moi je ne fais pas les reportages. Donc, c'est moi qui a fait. Moi, je fais les choses qui vous fait divertir un peu, vous motiver, que tu vois les prix ici, c'est 9$. C'est-à-dire que si tu travailles, tu viens aux États-Unis, tu as ton permis de travail, tu travailles, tu peux acheter ça. Donc ce n'est pas grave pour toi d'avoir tout, tu vois, je te motive. Il y a beaucoup de gens qui me disent, LKB, chaque jour le matin quand je me réveille, après avoir prié, je regarde d'abord tes vidéos. Quand je finis à regarder tes vidéos,
ça me motive, je pars chercher de l'argent avec force, avec, je dis moi je pars acheter de l'argent. L'année prochaine je vais voir mon visa. Les amis, c'est comme ça, non? Donc, qu'est-ce que vous pensez? Je voulais mettre ça en septembre. Mettre encore plus ou moins 3 mois encore. Plus ou moins 3 mois. Les 30 septembre. Il y a les 30 septembre, ça existe même. Ça existe, hein? Si ça n'existe pas, je mettrai ça le dernier jour du mois de septembre. Là maintenant, on sera obligé d'avoir 6000 abonnés. Si on aura 6000 abonnés le dernier jour du mois de septembre, les 3 personnes, moi-même, je vais prendre mon argent pour vous envoyer de ces téléphones. Mais tu auras seulement la chance d'avoir 2 téléphones. Mais si tu veux maintenant ici, tu paies ton 100$, je t'envoie 5 téléphones. C'est la loterie. Il faut me dire, mais c'est quel genre de téléphone? Non, 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 c'est Android. C'est ces touches-là même, c'est Android. C'est téléphone Android. Ça appelle, c'est bon là. Ça entre Wi-Fi, ça entre Facebook, ça entre WhatsApp. Pour que tu sois, ça entre WhatsApp, c'est bon. Il ne faut pas me demander, oh non, c'est BlackBerry, oh non, c'est non. Il n'y a plus de BlackBerry, mes amis. Non plus au iPhone. C'est téléphone, bon téléphone, tu peux aussi utiliser. Ce sont les téléphones originaux. Est-ce que vous aimez la vidéo? J'ai beaucoup parlé sur cette vidéo parce que c'était prévu que j'envoie les téléphones pour mes abonnés le 30 juin 2022, aujourd'hui. Mais c'était pas possible. Aujourd'hui, le jour de gravation, c'était pas possible. Alors, je suis désolé parce que on n'a pas atteint la barre qui était de 5000 abonnés. Donc, si tu regardes ma vidéo, sois gentil, madame. Je sais que ce n'est pas facile, hein, de prendre ton téléphone et de mettre abonné là. Donc, je te demande, pour l'amour de Dieu, abonne-toi sur ma chaîne. Et puis, un jour, si tu regardes... Et comment faire pour... Waouh, combien? 24, oh mon Dieu, mon roi, $24. Ici aux États-Unis, il y a des gens, quand tu dis je vais acheter blouse, tu dis pour blouse, il faut aller quelque part. Je vais acheter chemise, pour chemise, il faut aller quelque part. Il y a les endroits, les choses sont très très moins chères. Ça ne sert même pas la peine d'aller à Goodwill. Goodwill, c'est bon, mais il y a d'autres choses qui ça vaut pas la peine. Même ici, tu peux venir acheter. Waouh, ça aussi, c'est joli, hein? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensiez? Wow. Ça c'est $9. Ça c'est combien? Ça c'est pour les sportifs. Pour partir à l'académie, salle de sport, comme ça, les choses pareilles. C'est $20. Wow. Est-ce que tu peux me laisser un commentaire ici, me dire salut monsieur KBA, je suis une femme, je suis une jeune femme, je te suis à partir de Lille, et j'ai vu aussi qu'il y a aussi des gens qui me suivent à partir de Lille en France. Dis-moi, je te suis à partir, je suis ici en Chine. Il y a beaucoup de gens en Chine, je ne connais pas, qui sont même en Chine là, même vous même les... Ce sont seulement les Africains qui sont là-bas, c'est moi. Hein? Vous parlez même pas, vous êtes là. Vous parlez jamais.
Vous commentez jamais, mais moi je vous vois ici. Il y a beaucoup de gens en Chine qui me regardent. Je n'ai pas vu les gens en Inde, à l'Inde. Les Indiens, les Congolais qui partaient étudier en Inde, eux, il faut me regarder aussi. Hein. Non, j'ai vu les gens qui sont en Chine me regarder aussi souvent, mais jamais ils commentent. Je suis ici, salut les amis, il y a quelqu'un qui m'a dit, salut, c'est salut. Mon ami, tu as vu quel pays dans le monde là, être développé parce qu'il parle bien la langue des autres? Ici aux États-Unis, les Américains ne parlent pas bien l'anglais. Je vous dis vrai, l'anglais que les colonisateurs, ils ont colonisé ces pays ici, l'anglais là, des British là, on parle pas ça bien ici. On va dire qu'ils parlent un mauvais anglais ici. Mais pour eux, c'est bon parce qu'ils ont voulu qu'ils... Bon, ils n'avaient pas le choix ici. Il faut apprendre l'anglais. C'est l'anglais qui domine. Mais ils ont fait leur anglais. Donc, c'est ce qui a manqué à nous, les Africains, de faire notre français aussi. Moi, j'aime un peu la Côte d'Ivoire et les pays, tu vois. Créer aussi notre français. Tu vois les Canadiens, les seuls pays qui a dérivé un peu le français, ce sont les Canadiens. Le français du Canada, ça n'a rien à voir avec le français de la France. C'est leur mode. Quel pays qui va vivre, qui va se développer sous le système de notre pays? Toi, tu penses que tu vas bien parler le français plus que le français? Moi, je pense que nous aussi, les Africains, on devait aussi avoir notre français aussi. Français. Tu vois quand on dit portugais, on dit portugais du Brésil, portugais du Portugal. Mais jamais on dit français de France. Mais jamais on dit français d'Afrique, français de Congo, français de la Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne dit pas ça? Parce qu'on est des copieurs. Quand on fait que copier, on ne va jamais évoluer. On vit que sous l'ombre des autres. C'est leur système, on ne peut pas changer les choses. C'est leur système. Souvent, les Congolais parlent bien français comme les Français, mais un pays pauvre, ça sert à quoi? Pauvre. C'est pauvre, non. Le Congo c'est pauvre. Qui ne sait pas le Congo c'est pauvre? Oh mes amis, on est riche en culture, la musique, tout, le foot même zéro même. D'autres pays en Afrique même pas en Coupe du Monde. Nous on a fait. Le premier pays. Quelle Coupe du Monde vous êtes parti? Coupe du Monde de fou. Vous avez pris des 80-0. Allez ça. Moi, on voit seulement les Camerounais. Les Camerounais sera champion du monde. Le jour là, les gens vont marcher ni à la Rio. Et à Libreville. Les Camerounais ont gagné la Coupe du Monde. Vous êtes des malades, excusez-moi. Non, ça me le tourne. Non, je pense que tu fais encore les cauchemars. Hein? Il faut. C'est pas mauvais de rêver. Hein? Gagner la Coupe du Monde. Vous êtes malades, messieurs. J'ai mis la veste ici. Hein. Je suis ici à Forever 21. Si, me dit, mais LK, ben je mets le blues, mais. Waouh, ça c'est joli le vert ici. Joli. Mais pour les robes de soirée, hein, c'est pas vraiment. Forever, il y a beaucoup de choses, mais pour vraiment des robes pour aller dans la fête, vraiment, ce n'est pas Forever 21. Tu peux aussi avoir quelques robes, mais moi, je pense qu'il faut aller à... C'est quelle maison là même? J'oublie les noms comme ça. J'oublie les noms. Donc, je suis là, c'est moi, LKB, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Ouais, je ne suis pas une fille, je suis un garçon. Ouais, c'est moi là. Posé. J'aime ici pour la propriété. Ils sont très propres. Combien ça coûte? Ah, ça aussi, c'est joli. Hein? Ça aide aussi pour diminuer aussi le ventre. Hein? Yeah.
Parfois aussi, c'est bon porter des choses pareilles pour... Combien ça coûte? 19 dollars. C'est comme ce qu'on appelle les macaques. Waouh, ça c'est joli. Hein? Ça c'est style brésilien. Combien ça coûte? Bon, mes amis, par mes vidéos, je vous fais vivre les États-Unis. Voyage vers les États-Unis. Voyage. Quel voyage? Je vous dis quoi? Voyage numérique? Hein? Voyage. Je ne sais pas comment dire. C'est juste un voyage que je vous fais voir les États-Unis sans pourtant sortir de l'Afrique. Parce que la seule façon qu'il y a, c'est moi 30%. 30% de mes abonnés, hein, 30% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés. La même chose aussi. Si 100% des gens qui regardent mes vidéos, 30% seulement vont venir aux États-Unis. Les 70% là qui ne sont pas abonnés, vous n'allez jamais venir. Oui. Non, je mens, vous allez venir. Donc pour venir, il faut s'abonner. Abonnez-vous, mes amis. Abonnez-vous. Donc c'est vraiment très important. Ça vous... C'est aussi une façon que je suis en train de vous aider à avoir déjà l'idée. Il y a d'autres personnes qui viennent ici et pensent que les habits sont 1000 dollars. Donc c'est pour que vous... Ouais, vous aurez un peu l'idée, quoi. Ben voilà les amis, c'est un peu ça. Waouh, ça c'est joli, et ça c'est en mode. Liber d'Andy Solivri. J'ai aimé la robe ici. C'est aussi joli la robe ici. Très joli. J'ai aimé la rose ici. Combien ça coûte même? Ça coûte combien? 40 dollars. Non, c'est normal, non, c'est joli. C'est joli. Ici, quand tu vis aux États-Unis, parfois, il faut aussi s'adapter avec les façons de s'habiller. Je ne suis plus en Afrique, donc... Ça, vraiment, c'est très bizarre. Ça, c'est Jeep. Je ne sais pas si tu comprends. Jeep, après Jeep, c'est quoi? Il y a les bruns. Après là, c'est quoi? Ça va, mes amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis vraiment merci. Aujourd'hui, je vous ai vraiment taquiné pour s'abonner. Donc, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont s'abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir. On se voit. Ciao, ciao. Je vous aime beaucoup. On se voit. J'ai aussi des fossettes, hein. C'est depuis longtemps. Donc on se voit, quoi. Donc merci pour tout. Merci les amis. C'est comme ça de rabaisser. J'ai pissé, j'ai pète. Ça c'est joli, mais ça c'est 23 dollars. Je suis ici à Forever 21. Si vous avez jamais visité Forever 21, partout où vous êtes aux États-Unis, vous pouvez mettre sur votre Google. Vous tapez seulement Forever. Ça va apparaître.
Donc, merci beaucoup, les amis. Ciao, ciao.